dans sa zone, il est du côté gauche. Sa longue passe qui est tentée, c'est raté. Et c'est Bonnefond qui reprend dans son territoire. Passe du côté de Ménard. En territoire central, complété à la fois par Fontaine et Bonnefond. Bonnefond est entré. Coup d'épaule solide d'un joueur des remparts. Et Bonnefond a été sonné dans le territoire des remparts. Mais il reste sûrement qui a touché Martin Asia. Quand même une sortie. Théo Rochette, attention, deux contre un avec Bolduc. Rochette est à droite. Rochette s'avance. Tente une passe. Mais le plongeon de Zachary Mascotte, voilà, qui a fait un jeu défensif extraordinaire pour les Cataractes et qui vient annuler l'attaque ratée par les Cataractes. Savoie qui passe à Bolduc. Bolduc à gauche vers Rochette. Rochette, un tir qui a dévié. Ça va à Bolduc. Et tire. Oh, quel arrêt d'Antoine Coulon. La rondelle qui est libre. La lumière s'est allumée. L'officiel derrière le but signale. N'a pas signalé de but. L'arrêt était incroyable sur Bolduc. Un tir sur réception. Qualité des ligues majeures. Et là, par la suite, il y a eu congestion dans le demi-cercle. Baudouin avec Kanonka qui est à ses côtés. C'est passé derrière le filet à Nadeau. Nadeau qui envoie devant le filet. Baudouin, son tir bloqué par Rousseau. Le retour pris par Baudouin se retrouve dans le coin à la droite. Baudouin qui s'en va le long de la bande. Revient sur son côté droit. Charles Baudouin vers Ménard. Ménard à droite, c'est vers Pour. Il est dans le cercle à droite. Passe à rondelle à Bourgault. Qui essaie Dubé plutôt revient vers la clave. Passe à gauche à Bourgault. Bourgault devant le filet, ça vient à Dubé. Mais il est au moment de tirer. Il a perdu la rondelle. Et il y a une sortie des remparts. Et attention, peut-être en deux contre un. C'est Fillon avec Fenêtre. Fillon, un tir bloqué par le gardien. Un coin de Coulombe, un arrêt important pour les Cataractes. On relance l'attaque avec Maverick Bourque dans le territoire vers Dubé, près du cercle à gauche. Remet à Bourque, mais il a un joueur devant lui, c'est le capitaine Rochette. Passe à Mascotte, vers Dubé, fin de lancer, revient vers l'enclave. Un tir à but! Pierre-Éric Dubé, but marqué en avantage numérique du côté des Cataractes. Claude, celui-là va faire du bien à toute l'équipe. Supérieure. Alors les Cataractes profitent de cet avantage numérique en fin de première période pour se donner une avance de 1-0. Neuvième fois en 10 matchs que les Cataractes marquent le premier but. Ce tir-là a bel et bien dévié, je pense, sur Louis Crevier. William Rousseau attendait cette rondelle à la droite. Elle est passée par-dessus. À gauche, Jacob Lafontaine fait face à Xavier Fillon pour les remparts. La mise en jeu remportée par Fillon. Crevier s'élance pour tirer frappé, ça dévie. Oh, et c'est le but! La rondelle est passée sous les jambières d'Antoine Coulombe et c'est avant. Oui, mise en jeu gagnée clairement par les remparts. Territoire offensif. Un tir de Crevier dévié dans l'enclave par Gravel. Le quatrième trio. Tir met directement sur Fillon qui s'en est devant lui. Fillon tente de s'échapper. La sortie d'Antoine Coulombe qui a plongé. Rondelle qui est libre dans le territoire des Cataractes. Tir tenté, ça a raté le filet. Ça s'en va à la pointe droite. Komarov a un lancé repoussé par Coulombe qui est revenu à sa position. Komarov qui a la rondelle près de ligne bleue. Komarov a lancé le but. Komarov va chercher le deuxième but des remparts, Claude. Tire des poignets qui touche le poteau intérieur à la droite de Coulombe. Coulombe avait utilisé beaucoup d'énergie pour faire une sortie très loin de son Komarov. Va chercher un gros but pour les remparts. C'est son deuxième dans la série. Il était revenu, mais comme tu l'as dit, a tellement dépensé d'énergie avec sa sortie. C'est presque rendu à sa ligne bleue pour revenir rapidement devant son filet. Alors, on a laissé probablement un peu de souffle. Il doit revenir à leur ligne bleue. Maintenant, reçoit la passe de Dubé. Lui retourne la rondelle. Dubé en entrée de territoire. Il est du côté droit. Laisse à Maverick Bourque. Passe à Ménard près de la ligne bleue. Son lancé frappé. Le retour devant. Durabat. Quel arrêt de Rousseau qui est venu voler. Pierre-Éric Dubé. Dubé s'en veut d'avoir raté l'occasion. Bon tir frappé d'Isaac Ménard qui a donné William Rousseau. Moins d'une minute à faire en deuxième période. Gaucher et Bourque dans le cercle de mise en jeu. Bourque remet la rondelle à la ligne bleue vers Haas, le long de la bande à Bourgault. Bourgault s'avance, il est dans le cercle. Un tir qui a été bloqué, ça revient vers Haas. Un lancé. Oh, bel arrêt de Rousseau sur un tir qui semble avoir dévié tout juste devant lui. Il n'a rien à son épreuve. Le jeune Haas décoché tout avec beaucoup de violence. Rousseau a réussi à garder cette rondelle à l'extérieur du filet. Bravo. Ouais, il avait de l'autorité sur ce lancer. Il s'est avancé à passer derrière le but pour Nadeau. Nadeau est plaqué par Crevier. Nadeau ramène la rondelle près de lui, mais c'est quand même pris par les remparts. Tourigny empêche un dégagement. Nadeau reçoit la passe dans le coin. Et Crevier ne l'avait pas lâché. Ça s'en va à la ligne bleue. Bout, tire le but! Angus Bout va chercher le but égalisateur. Fait lever le toit du Saint-Gervais Auto. Troisième période qui rallume la foule du centre Gervais Auto. C'est l'égalité créée par le défenseur Angus Booth avec le travail de Jordan Tourigny et également d'Olivier Nadeau. Tir précis d'Angus Booth dans la partie inférieure gauche.
Là, il y a de la chance du côté des Cataractes. Dubé qui va de dégagement à T3 central. Et c'est Cournoyer qui reprend. Cournoyer en entrée T3. Coup d'épaule de Pierre-Éric Dubé à l'endroit du défenseur des remparts. Et les partisans apprécient. Ça revient à Bourgault après avoir touché un adversaire. Bourgault qui sort du coin. Revient vers le centre. On est de retour à 5 contre 5. Bourgault est du côté droit. Il se retrouve derrière le filet à nouveau. Travaille côté droit. Bourgault. Quel arrêt de William Roseau. Bourg qui prend la rondelle derrière le but des remparts. La passe qui lui est revenue dans le coin. Dégagement réussi par les remparts. Maverick Bourg incapable d'acheter un but. La passe a été interceptée. Bourgault qui a remis vers le capitaine Bourg. Ça s'en va derrière le filet. Patrick Roy est debout au banc des remparts. Pas très satisfait. Passe à Bourgault. Le tireur. Quel arrêt de William Roseau qui est venu fermer l'espace au dernier instant. Cataract Bourgault qui est venu la reprendre près de la ligne bleue des remparts. Sa passe interceptée au vol par Zévola de Komarov. Il en va en zone centrale complétée par Roy. Roy en attaque pour les remparts. Laisse derrière vers Gaucher. Gaucher s'est dévié. Oh, quel arrêt d'Antoine Coulombe là-dessus. La mise en scène pour Nathan Gaucher était parfaite. Mais Coulombe vient de réaliser un arrêt qui sauve la saison des Cataracts. Ouais, un 3 contre 2. Le gros trio qui fonce au filet. C'est un tir passe. L'exécution qui est parfaite. Coulombe a été magique là-dessus. Un 34e tir par les remparts dans le match. Déjà un 4e lancé par les Québécois dans cette période de prolongation. Un seul par les Cataractes. La mise en jeu est à la droite d'Antoine Coulombe. Huchette fait face à Jacob Lafontaine. Zachary-Bolduc, la rondelle est sous Bolduc. C'est repris par Xavier Bourgault. L'attaque des Cataractes se poursuit. Bourgault envoie un tir au filet. Bourg a fendu l'air. La rondelle était bonne centre. Bolduc ne peut dégager. La rondelle est amenée en zone centrale. Rochette en attaque pour les remparts. Rochette passe la rondelle au centre. Mais en repli, Xavier Bourgault, en plongeant, est venu intercepter la passe. Quel jeu défensif du joueur des Cataractes. Ligne bleue. Crevier garde la rondelle en T3 des 4. Passe à Bolduc à l'aile droite. Remet à gauche vers Rochette. S'avance à gauche. Un tir. Oh, quel arrêt d'Antoine Coulombe. La rondelle qui est libre dans le coin. Dégagement des Cataractes à l'autre bout. Un arrêt magistral du gardien des Cataractes. Rousseau devant le filet, ça atteint le capitaine Maverick Bourg. Bourg revient vers l'enclave. Toujours Bourg avec la rondelle. Bourg est maintenant du côté droit. Bourg devant le filet. Oh, et la rondelle touche au poteau. Lado qui tente ensuite la chance. La rondelle gagne le but. Maverick Bourg pendant le cinquième match. Quel 5. Le toit du centre Germain Auto a bougé il y a quelques instants à Claude. Nadeau venait de toucher le poteau, la rondelle était disponible. Et le capitaine qui gagne cette bague. Ouais, les joueurs des Cataractes célèbrent eux sur la patinoire. Il n'y a toujours rien qu'on permet. On a affiché le but au tableau indicateur. Les Cataractes qui célèbrent une victoire pendant que les joueurs des remparts retournent au banc. Alors, c'est fait, mon cher Steve. Il y aura match ultime dans cette série entre les Cataractes et les remparts. Eh bien, c'est mérité parce qu'on a eu droit à une excellente série.